Salut à tous et à toutes et bienvenue pour le 14e épisode avec la WAP Prochain Monsieur Bossinique sur TOW 2020. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Que le prochain. On a refait des shows télé. On a décidé. J'ai décidé qu'en ce moment, je me suis dit pourquoi pas tenter de remettre Rage tous les mercredis. Donc Rage, on est de retour. On est de retour avec WPCW Rage. Donc on a de retour des wikis. On va voir déjà, bon, tout de suite, qu'on en finisse. J'ai décidé de faire uniquement 4 épisodes pour tester. Déjà, il y en aura 3 ce mois-ci pour voir avec nos deux events combien d'argent on perd ou qu'on gagne. Et si on gagne de l'argent et qu'on gagne pas mal d'argent, je ferai un vrai deal sur plusieurs mois avec un truc illimité pour qu'on ait quand même pas mal d'argent en tiny. Voilà, on a deux sources de revenus, dont une où on est à 100% de revenus générés directement chez nous, donc on a beaucoup d'argent, et l'autre qui est à 55% et a toujours IWTV qui a 65% pour nos events. Donc voilà, je vais faire quand même 4 épisodes de Rage et après on verra. Dans cet épisode, on va faire le Rage, on va faire Summer Glory Night 1 et on va faire le Rage numéro 2. On fera 3 events, comme ça l'épisode d'après on fera le 3ème Rage, le Summer Glory Nuit 2 et le Rage Post Summer of Glory pour voir déjà dans le prochain épisode, on verra si on gagne ou qu'on perd de l'argent, mais déjà juste aussi dans cet épisode là on verra si on a de la thunasse ou est-ce qu'on en perd beaucoup. En production, j'ai décidé d'augmenter ma production. Je suis passé en medium et en in-house, donc on a juste 2 trucs à augmenter. On a payé 10 000 $ pour cette merde, donc on paye 7 000 $ par mois au final en broadcast quality. Et là, quand même, on casse quand même 7 500 $ par show, plus les 1 500 par show, enfin par mois, on a quand même beaucoup de choses. Et les upgrades sont pas non plus extrêmement chers, mais je vais augmenter petit à petit. On augmentera la production values si on gagne de l'argent. Si on est plutôt bien le mois prochain et le local aussi le mois prochain qui coûte quand même un petit bras, mais on verra combien on gagne d'argent. Étant donné qu'on est en négatif, mais c'est normal parce que on a déjà dépensé 10 000 $ et on n'est pas non plus en ultra négatif non plus, on verra combien de billets, de tickets de sale, de broadcast revenus on fait, on verra combien on fait, mais en tout cas on va être, je pense, pas mal du tout dessus. Le mois dernier, on a fait 9 000 de broadcast revenus et là, on va avoir pas mal de choses, donc on risque quand même d'avoir pas mal de choses en plus. À voir si on gagne ou qu'on perd de l'argent, tout va dépendre de ça. Niveau stable, j'ai fait les logos. J'ai enfin fait le logo du Dark Spirit qui est plutôt joli. Du Fox Squad et de The Order. Voilà, j'ai fait les petits logos au passage, je devais les faire. Et est-ce que j'ai des mails à vous montrer? J'ai des mails à vous montrer. La W1 qui est déclarée actuellement en banqueroute. Voilà, elle est en banqueroute. Voilà, elle est fermée, il me semble. Elle est fermée. La Wrestling One qui ferme ses portes. Ça y est, la fédération japonaise qui ne fera plus rien. On l'avait rouvert. Et malheureusement, ça ne suffira pas. Ils sont actuellement. La W1 n'existe plus. C'est dommage, hein, la Wrestle One qui est... Comme en vrai, hein, la Wrestle One qui avait fermé ses portes, je suis une deuxième fois déçu. C'est comme ça. Charles Flair qui prend sa retraite, qui devient manager et annonceur. Charles Flair, en 2021, prend sa retraite. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Regarde. Elle veut pas sortir de sa retraite. C'est vraiment con parce que, putain, Charles Flair qui se retire du catch. Donc il y a moyen que si on la signe, je fasse quelques bidouillages pour la faire sortir sa retraite. Parce que Charles Flair, pour moi, ne doit pas être en retraite tout de suite. À 35 ans, en retraite. Je comprends pas. Hein. Je vais essayer de bidouiller ça, mais pour moi, Charles Flair ne doit pas être en retraite. Je comprends pas pourquoi elle est en retraite. On a Brian Cage qui est énervé face à TJ Perkins, parce que Melissa Santos a décidé de tromper Brian Cage avec TJ Perkins. Autant vous dire que TJ Perkins, c'est pas non plus le meilleur mec pour tromper quelqu'un. Franchement, je suis extrêmement déçu de voir ça. Melissa Santos, hein, très très déçu de la part de Melissa d'avoir fait ça. En tout cas, on va aller...
On va avancer jusqu'à Rage et je vais bidouiller pour Charles Flair parce que pas de retraite tout de suite, pas de retraite. C'est parti pour booker le premier Rage retour. Si on veut le retour de Rage, on peut voir quand même la dernière fois ce qu'on avait fait, on avait fait un 48. Le dernier Rage qu'on avait pu faire. C'était pas non plus fou. On a toujours qu'une heure 30, hein. On a toujours qu'une heure 30 de diffusion. Mais on va diffuser un peu mieux. On va faire quelque chose de plutôt bien. En catcheur absent, donc on a juste Bobby Cruz qui a préféré catcher chez Roche, ça je peux comprendre. On a sinon de la blessure et d'autres qui bossent chez A-Dub et Roche, c'est pas non plus. Ça me fait un peu chier pour Tracy Williams. Zachary est toujours blessé, mais après c'est pas non plus des catcheurs que j'ai vraiment besoin pour ici. On va tenter quelqu'un de Black. Alors on va demander à Austin Theory. Oh, il est frustré. Peu le ribs. Pretty funny, Ilya Stakin à goût d'humour. Voilà. Air Fox, voilà, qui est heureux de cette banne. De cette blague. Très heureux. Voilà, Air Fox, c'est très content. On va aller toujours dans Sunwiss. On attend 265 personnes. Bon, par contre, on va faire beaucoup moins de tickets. Parce que c'est un weekly. Et c'est un peu dommage, ça. Par contre, nos events, on fait déjà quand même 265 fans. Donc, c'est déjà bien. On est en dessous des 800 qu'on avait fait déjà de base. Mais, donc on va essayer de monter à 240. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Déjà, on va rester en sous-nouiste. Hein, si on peut essayer d'avoir le maximum de personnes. On n'a pas en dessous. On va retourner à l'American Legion Post. Comme à la même époque, devant normalement 300 fans à peu près, on va essayer. Mais on va upgrade ça petit à petit. Hein. C'est qu'un weekly de toute façon. C'est qu'un petit weekly. On va. On s'en fout. Allez, on va aller booker nos 90 minutes de show. Donc entre 1h30. Donc ça va être des shows assez courts. C'est pour ça qu'on va faire 3 events dans cet épisode. Parce que ça risque d'être quand même assez court. On se retrouve au débriefing comme d'habitude pour se faire plaisir et pour la suite, hein, pour faire le débrief complet de cet épisode. C'est parti devant 273 personnes pour le débrief de ce WPCW Rage, le retour, le 13e épisode au American Legion Post devant 273 personnes. On ouvre le show avec un petit 50, on commence avec Chris Bay et Vince qui vont arriver au ring d'abord. Chris Bay qui va fanfaronner encore une fois, qui va dire... Rage is back as a champ, still here, un peu à la mode Cardona. Et Vince va arriver à son tour. Il va faire, oui, Rage est de retour, t'es toujours le champion. Et pour faire un show de retour, ce soir tu vas défendre ta ceinture. Chris Bay il est pas très content. Il fait, mais non, mon Summer of Glory il arrive dans quelques jours. Il fait, oui, tu vas affronter un mec ce soir, et à Summer of Glory tu vas affronter un autre mec si tu conserves ta ceinture. Il faut montrer que t'es un champion combatif, que t'es LE champion, la tête d'affiche, le mec invincible. Chris Bay qui lui répond, j'ai pas besoin de le prouver, je le suis déjà. Ce qui fait, calme-toi un peu, tout va bien se passer. J'ai un adversaire pour toi ce soir, un certain Desmond Xavier, une partie des champions par équipe qui veut t'affronter. Chris Bay il fait, pas de soucis, tu veux me le foutre dans les pattes? Je vais te le briser en deux. Alors que, bon, on sait que Vince et Chris Bay, ils sont quand même dans The Order. Ils sont quand même dans le même clan ensemble. Ils étaient liés pour affronter le Davis Tribes. Et là, Chris Bay, il reste toujours arrogant. Il reste toujours arrogant. La storyline avance, mais c'est intriguant. C'est intriguant ce qui se passe. On enchaîne. Toujours pas. On enchaîne avec un match qui fait un 65. Hikaru Shida face à Charlie Evans. Hikaru Shida qui va... faire sa première défense de titre face à l'ancienne championne. Face à l'ancienne championne. Dans un match qui a un grand catch et une désengagation de la foule, Hikaru Shida va battre en 15 minutes 13 Charlie Evans par tomber avec le Majo no Ishigaki. Voilà, elle fait sa première défense de titre. Elle nous fait un 67. 51 de Charlie Evans. 51 de Charlie Evans qui, dans un régular, nous fait une super belle note. Hein, Charlie Evans qui... est considéré comme une star, en tout cas du côté de la World Pro Championship Wrestling, ça fait un super 65, très belle défense de titre, Hikaru Shida, qui voilà, fait sa première défense de titre, et il ira défendre sa ceinture lors de Summer of Glory Night 1, on le rappelle.
Segment suivant, ça fait un 35. Puisque Hikaru Shida et Charlie Vance vont être encore dans le ring et vont se faire face-off. Mais Vipress et Rachel Ring vont venir aux côtés de Charlie Vance. Le Dark Spirit arrive, mais Lana Austin et Suzume, The Future Vision, qui arrive aussi pour faire face au Dark Spirit. Trois femmes contre trois femmes, Hikaru Shida qui comprend pas trop, qui au milieu de toute cette petite guéguerre, on sait qu'il y a une histoire entre Dark Spirit et Future Vision. Bon, Suzume qui est un peu perdu parce que la barre du langage, on l'avait pas demandé de parler, et elles sont un peu perdues. Elles sont un peu perplexes, ça fait un 35, c'est pas ouf, mais elles sont perdues parce que derrière, ça nous fait un match qui fait un 39, je suis très très déçu. Très très déçu. Future Vision contre Dark Spirit dans un match qui est dit comme quand même un super bowl, c'est donc un bon match, mais pas non plus ouf. Et une petite tweet, Future Vision, vont battre Dark Spirit en 12 minutes 15 quand la Nocine va pin Rachel Ring avec le 10 Vision. Enfin 33, 40, 39, 31 de Vipress, hein, qui continue à monter ses stats, mais c'est pas non plus encore ouf. La storyline gagne de la lutte, évidemment, Dark Spirit fonctionne très très bien en équipe, c'est pour ça qu'on les a foutus en équipe. Les notes sont pas ouf, je m'attendais à ne pas me faire un match franchement fantastique. Mais il faut que je commence à planter un peu mes storylines par-ci par-là. Voilà, ça fait un 39. Derrière, aussi une théorie. Putain, ça fait un 35. Qui va arriver au ring, qui va faire I'm back à la War Pro. Évidemment, on m'a mis de côté, je suis de retour. Et je fais un open change tout de suite, maintenant. Et c'est Air Fox qui arrive. Air Fox arrive et fait face-off avec Austin Theory. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pénalisé. Juste le moral d'Austin Theory. On est en train de changer le moral d'Austin Theory pour que ça ne me pénalise plus, mais ça fait qu'un 35. J'aurais peut-être pas dû mettre l'overnat sur Austin Theory. Il l'a peut-être pas trop over par chez nous. J'ai dû me l'overnat. Je suis débile peut-être. Il est pas extrêmement over quand même non plus. Derrière, ça fait un 65, évidemment, Austin Theory et Air Fox qui font un super match de catch, hein, sans surprise, avec une descendation de la foule. Austin Theory qui va battre, hein, Air Fox en 13-53 par tombée avec un surplus cradle. Voilà, un petit surplus cradle. Mais surtout, dans le match, je l'ai pas mis, je devais mettre une intervention, on a fait quand même un crash. Je devais mettre une intervention, je l'ai pas mis, c'est con pour moi, je l'ai pas mis. Mais en tout cas, ça fait un 54 d'Austin Theory et un 70 d'Air Fox, hein, qui nous sent encore une pépite en termes de notes. Qui aura certainement un shot, hein, très prochainement. 65 de notes, c'est très très bien. Derrière, un petit freeway pour mettre la détente. Ace Perry, Edgy Gray, Dominic Guarini vont s'affronter dans un match décent sans une grosse hit. Ace Perry va prendre la victoire. En 11-48, en pinant Edgy Gray avec un clue cradle aussi. Voilà, un petit roll-up. 56 de Guarini, 45 d'Esperi et 49 d'Edgy Gray, c'est pas non plus incroyable. On a fait un régular. Le match, voilà, j'ai pas demandé non plus grand chose, ça fait un 55, c'est plutôt correct. C'est correct pour les trois hommes, hein, Guarini qui a fait giga plaisir. Et le main event qui nous fait un 67. Un 67. Dans un superbe match de catch et une décente réaction de la foule. Chris Bay va battre Desmond Xavier en 15 minutes 20 par tomber avec le Triple C. Et fait sa 13e défense de titre. 13 défenses de titre. Desmond Xavier va pas réussir à battre Chris Bay, mais il fait un 72 et un 71 de Chris Bay. Ça a été pénalisé sur la psychologie à un moment du match qui n'a pas été cohésion. Il n'y a pas une énorme cohésion dans la psychologie, peut-être, je ne sais pas. On a fait un crack-crash, Chris Bay qui conserve sa ceinture, il fait un énorme 67, c'est fantastique. La fin de show est fantastique. Chris Bay qui ira à Summer Glory Night 1 en tant que champion, évidemment, sans surprise. En Dirty, qu'est-ce qui a été de noter? Mais voilà, Desmond Xavier qui, lui non plus, n'a pas réussi à battre Chris Bay en 1 contre 1. Chris Bay qui est invincible, hein. Personne ne peut battre Chris Bay. Hein. La stamina de Chris Bay le pénalise encore, mais sinon il y a pénalisé. Ouais, le face-off et le lack of psychologie, oui. Bon. Ça manquait de psychologie. C'est dommage parce que ça aurait pu faire un magnifique 70. Hein. C'est pas grave. On ne fait pas. On finit le show sur un 57. Oui, j'ai encore la production qui n'est pas non plus tout le temps évoluée. Donc on gagne la propriété dans 11 régions puisqu'on n'a pas 10 puisqu'on n'est pas partout au Canada. On finit le show comme ça. On fait comme un 57. Donc on fait plaisir quand même au diffuseur puisqu'il voulait une note minimum de 30. Voilà, donc je suis vraiment très très large.
On fait un bon épisode de retour. Je trouve qu'on fait un bon épisode de retour. Après, voilà, on va voir. On va boire un peu de café à la vôtre. On va voir un peu le viewing qu'on fait, mais ça va. Aussi la finance, après ce show. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, mais oui. Ertrousse qui était dans une... qui est devenu toxique et qui est dans une quelque chose d'assez violent. Puisque il y a eu des screens, des conversations de lui et d'un mineur. Voilà, d'un enfant, d'une personne jeune. Et qu'est-ce qu'il raconte de plus dans cette... voilà. Inside Avis de compagnie, stratégie, ISIM pour que le drama est out. Blablabla, bla bla, new cycle move. Donc, il est possible que Ertrousse se fasse virer de chez WWE. Il y a moyen que Ertrousse se fasse virer de chez WWE, tout simplement parce que... ou que ce soit pas prolongé. Parce que voilà, il est devenu toxique. Info personnelle... Ah, il est quand même loyal à Vince McMahon. Il est loyal à Vince McMahon, mais il est dans une affaire. Une affaire, Chris Hero, oui. Ah oui, j'ai oublié de vous raconter ça, oui, bien évidemment. Je suis dans une alliance, je suis dans l'alliance de la Cyberfight, que j'ai un peu bidouillé évidemment, avec donc DDT, DDT et TGP, qui étaient dedans, et Noah. Et je me suis donc rajouté dedans, j'ai rajouté Dragon Gate normal, Game Changer, NWA, et c'est tout, voilà, donc on est dans une alliance, voilà, ça peut nous aider. Et on a des titres, donc voilà, c'est la NWA qui a fait les premières ceintures, Trevor Murdoch qui bosse, c'est que la NWA. Donc j'ai mis un titre par équipe, qui s'appelle le titre Cyberfight Dreaming, donc avec Trevor Murdoch et James Storm qui sont champions par équipe. Et le Proving Ground qui donc est détenu par Chris Hero actuellement, donc voilà, voilà. Ce sont des titres, je mettrai certainement des mecs que j'ai Whiten dedans pour en faire en sorte que j'ai un peu d'argent avec l'Alliance. Financièrement, on perd beaucoup d'argent. C'est ouf. On a fait comme 3000 de tickets. Financièrement, on perd évidemment beaucoup d'argent, sans surprise. Après, c'est normal qu'on perd beaucoup d'argent, puisque j'ai beaucoup dépensé dans la production. On verra à la fin du mois, mais j'ai beaucoup dépensé en production. C'est normal. Alors, Vicky Rio qui a accepté son offre de la PWG et que son contrat, dans 3 épisodes, on a fait 7000 views. Ok, on a fait 7000 viewers. 1,0,01. 13e. On est numéro 13. En termes de visibilité, ça a changé. Ils ont augmenté et Shane Strickland qui s'est blessé. 0,1, on a fait un peu de viewing. Allez, dans 4 jours, on a nos Summer Glory. Évidemment qu'au début, évidemment que le premier mois, ça va être compliqué ce mois d'août parce que on va certainement perdre beaucoup d'argent parce que j'ai déjà beaucoup dépensé pour augmenter ma production. On verra les mois suivants. Déjà, peut-être que si on perd que 2000 ou 3000 dollars à la fin du mois, c'est bien. Faut que j'aille voir les worker costs. Faut que j'aille voir le worker cost parce que je pense que j'ai pas beaucoup dépensé. Retire, Evolve qui a fait de mon compte. Voilà. Evolve qui a fermé à nouveau. Evolve qui a à nouveau fermé. Sans surprise, Evolve qui a fermé à nouveau. Ils étaient en banqueroute. Hein. Jado qui a une extension de contrat. Kairi qui est en fin de contrat. Ouh là là, Kairi qui est en fin de contrat chez nous. Va peut-être falloir renégocier un contrat. Elle va demander. On la paye combien déjà? On la paye 700. En vrai, est-ce qu'on pourrait pas la demander en Whiten? 700 par show pendant une année. On l'accepte. Est-ce qu'on peut pas baisser un peu son contrat? 2 ans. 2 ans, je suis... À pas vouloir déjà payer 700$. Oui, payer 700$. On va la laisser à 700$, Kairi. On va la laisser à 700$. Whiten pendant 2 années. Chez nous. Pourquoi pas. Lee Moriarty aussi est en fin de contrat. Moriarty qui... Attendez. 80$ par show. Il veut... Il passe à 130$ par show. Il est un peu partout. Il bosse un peu partout. Donc on va le laisser bosser un peu partout. On va pas non plus le whiten de violemment. On va le laisser en check. On va le laisser en check par contre à 110$ si tu veux bien. Pour 9 mois. Exclusivement. Hop là. Pour ensuite 120$. Et 6 mois. On va pas cracher non plus dessus. Oh!
Bobby Ray, Boba, Bully Ray qui rentre dans le Hall of Fame de WWE. C'est cool ça, c'est bien, c'est mérité. C'est mérité. Lesnar qui a un catchphrase, on s'en bat les couilles. Donc Alex Shelley qui a accepté de nous rejoindre, Modern Station Gun. Saiva qui a accepté aussi son contrat de prolongation, on a prolongé. Tout comme Damixo, l'homme de colonne qui nous rejoint. Ricky Shane Page, on va tester Ricky Shane Page, on l'a testé, on se dit pourquoi pas. Et Alexander Armstrong qu'on va aussi tester, on va tester pas mal de mecs. Summer of Glory, c'est parti, on va directement utiliser notre broadcast. Voilà, on a mis en... J'ai oublié de sauvegarder. Les catcheurs absents, donc on n'a pas tout ça. Ok, on a beaucoup de blessures. Oh attends, j'ai pas vu la blessure de... C'est où? Médical. 49 jours, ouais, il loupe Summer of Glory Night 1 et certaines... Oh, il loupe 2 mois. Il loupe la nuit 1 et la nuit 2. Ah, c'est dur, hein. C'est un peu dur, là, par contre, pour notre ami. C'est où? Backstage incident. Oh, putain. Ah non, ça va. Daniel Garcia a une bonne forme avant le show. Il partage un gros de la joie, voilà, il est dans un grand mood. Et avec une histoire de route hilarante, il crée une atmosphère happy et relaxante des Garcia qui... il est un peu frustré, mais voilà, il fait plaisir à tout le monde. C'est super, il n'y a aucun effet, mais voilà, il raconte des blagues, c'est plutôt sympa. J'ai booké mes 3 heures de show, il me semble, ou 2h30, je sais plus combien j'ai fait de... Voilà, mais ça va être un gros show, donc... On va dépenser beaucoup d'argent dans ce show-là, parce qu'on a fait un truc énorme, hein, c'est Summer of Glory, hein. Le titre porte bien son nom. Donc attendez-vous à avoir des trucs incroyables de partout. Voilà. Ah oui! Attends, combien de personnes? On attend 856 personnes. On va aller au HMET Nightclub. On y va. On y va. Est-ce qu'on fait un sold out? Ah, l'important c'est de zéro. Est-ce qu'on va pas au Underground Arena et faire un sold out? On pourra peut-être accueillir 900 personnes. Allez, on tente le OHM Nightclub en espérant atteindre les 900 personnes. On y va. C'est parti. On se retrouve après pour le débriefing. C'est parti pour Summer of Glory Night 1. Devant 861 personnes au OHM Nightclub, donc on n'est pas sold out. Vince et Daru Couture vont ouvrir le show avec un 44. Voilà, Vince qui souhaite la bienvenue au Summer of Glory. Et il annonce masse début. Il dit que ce soir il y aura tellement de débuts qu'on pourra plus survivre. Voilà, il dit que ça va être un show très très huge. Daru Couture, voilà, qui fait, je reviendrai plus tard pour vous annoncer d'autres annonces, mais oui. On a beaucoup de signatures, voilà, les deux qui se concordent finalement ce soir, dans ce promo d'ouverture de show. Derrière, ça fait un 60, puisque nous avons un six-way. Trey Miguel qui fait ses débuts, va affronter Lee Moriarty, Jimmy Uta, Joe Gacy, Martin Kezus et Myron Reed. Bon, la gimmick de Trey Miguel est très mauvaise, il faut la changer. Dans un bon match de catch, mais il n'y a pas de vraiment de vite. Martin Kizou va prendre la victoire en 15 minutes 14 quand il va pin Trey Miguel avec le Perfector. 62 quand même de Trey Miguel, 61 de Moriarty. Il nous sort un 61, 52 de Jimmy Uta, 55 de Joe Gacy, 48 de Martin Kizou et 57 de Myron Reed. J'ai mis juste un régular et tout le monde me font des perfs fantastiques. C'est incroyable. Fantastique, ça fait un superbe 60, je suis très heureux. On démarre très bien le show. Derrière, ça fait un 48, un 3v3. Momo Watanabe va faire équipe avec Future Vision pour affronter le Dark Spirit, dont Charlie Evans, Vipress et Rachel Ring. Ça va faire un match décent, mais sans une grosse hit. Et le Dark Spirit va prendre la victoire en 12-56, quand Charlie Evans va pin Suzume avec le Soup Left. 31 de Suzume, 42 de Lana Austin. 54 de Momo Watanabe et 58 de Charlie Evans qui vont porter le match à elle tout seul. La rivalité, évidemment, gagne de la hit. Ça fonctionne bien. Voilà, il y a du bonus de partout. Ça fait un 40. Un petit match par équipe. Rien à dire. On était en régulier aussi. Voilà, pas grand chose à rajouter dessus. Derrière, Daru Couture va arriver.
Ça fait un 52 déjà. Juste Darukoto qui prend le micro, ça fait un 52. Et il annonce que tout de suite va y avoir un tag team turmoil, un fatal four-way par équipe. Avec des débuts. Oh là là, avec des débuts. Avec plein de débuts. Je vais vous masquer les quelques équipes par la suite ou je les masque pas. Je sais pas, je vais voir. Ça fait qu'un 56. Oh. Ça fait qu'un 56. Nous avons les Perfect Boys contre les Briscoes, contre Morse et Machine Gun et contre Violence is Forever. On a signé les Briscoes, on a signé Jay Briscoes et chez nous. On a signé les Motor City Machine Gun, évidemment. On a signé Kevin Q. On a une division par équipe qui est totalement fantastique. Oh, malheureusement, on a Alex Shelley qui se brise le toes. Qui se brise l'orteil. Ok, donc... Alex Shelley qui se brise l'orteil et Jay Briscoes qui se brise la mâchoire. Voilà, il fait ses débuts, il se brise la mâchoire, le gars. Oups. Bon, après, je pense qu'il va pas non plus des grosses blessures, donc ça va. On a un grand match de catch et une décente réaction de la foule. Les Perfect Boys vont prendre la victoire en 16 minutes 46 quand Axel Perfect va récupérer un item en haut. Et oui, c'était un ladder match. C'était un ladder match. 52 de Zachary Cooper, 61 d'Axel Perfect, 70 et 73 des Briscoes sans surprise ont été dans un ladder match. Et pourtant, Matt Briscoe, j'ai fait en keep strong parce que sinon il voulait pas perdre. 55 et 65 des Motor City Machine Gun et 50 et 56 de Violence is Forever. Jay Briscoe qui démarre en very good avec Shelly en great. Chris Sabin en very good. Kevin Q en great. Enfin, tout le monde démarre super bien leur gimmick. La storyline avance. Évidemment, on a des bonus de partout, mais on fait qu'un 56. On fait qu'un 56, le match était trop long et on a eu des bumps de partout. Mais on fait qu'un 56. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on fasse qu'un 56? On a eu plein de bonus. On a été pénalisé sur quoi? Oh, les bonus qu'on a. Oh, on a eu que ça. On est pénalisé sur l'inconsistance, sur le physique decline, la stamina. Ah, je sais pas sur quoi on a... Pff, le facile et que le match était trop long pour le produit. Ah, les blessures ont pénalisé. Aïe, 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 ça fait un... je suis déçu que ça fasse qu'un 56. On était en car crash pourtant, je suis déçu. Dommage qu'on fait qu'un 56. Oui, je sais, ça, on s'est brisé. Derrière, Axel Perfect et Zachary Cooper qui vont célébrer dans le ring, évidemment. Ils vont célébrer leur grande victoire parce qu'ils se placent très très bien. Ils se placent quasi, ils se placent même number one contender au titre par équipe. Ah oui, les Perfect Boys qui sont challengers à nouveau au titre par équipe. Derrière, ça fait un 63 puisque Grisero va défendre son Proven Grand Championship face à Masada dans un grand match de cage, dans un match hardcore évidemment. Et dans une descente d'action de la foule, Masada va prendre la ceinture en 12-42 par tombée avec le Skullfucka Buster et devient le nouveau Cyberfight Proven Grand Champion. 66 de Chris Hero, 52 de Masada. Masada of this game et Chris Hero qui bénéficie d'un bonus suite à un petit nouveau move. Voilà. C'était plutôt sympa, Masada qui devient champion. Derrière un angle où Su Yang va faire son apparition et va délivrer un message très important. Puisque elle va parler de Sadie Gibbs qui va être off-screen. C'est-à-dire Sadie Gibbs a été une cible. Celle qui a attaqué toutes ces personnes, je la connais très bien. Elle a voulu faire passer un message au roster féminin de la WAPRO Championship Wrestling. Et Summer of Glory était l'endroit parfait pour se révéler. Cette personne fait partie d'un endroit très sombre, du Darkness. Cette personne, c'est moi. Su Yang qui annonce qu'elle a attaqué Serena Deeb, Lana Austin et Sadie Gibbs. Mais Lana Austin et Serena Deeb vont arriver et vont attaquer. Elles vont attaquer Su Yang qui va prendre la fuite. Les deux femmes qui sont énervées dans le ring, très furax, même si j'ai jamais attendu à ce que ce soit uniquement Serena Deeb qui vienne attaquer Su Yang. Lana Austin, j'ai oublié de la mettre off-screen. J'avais un match plutôt dans la soirée. Donc certainement un affrontement Serena Deeb et Su Yang à venir. Intéressant.
Undone Change, on change la gimmick de Suyang. Qui fait un great. Très bien. J'en demandais pas plus. On passe au segment suivant. Rien de plus à dire dessus. Derrière, Ika Oshida va défendre sa ceinture dans un 59. Face à Mercedes-Benz, qu'on teste un peu, c'est un match décent. Avec une bonne hit. Mais pas une grande hit. Ika Oshida va conserver sa ceinture en 12.01. Par tombée, avec le Majo no Ishigeki. Voilà, fait sa deuxième défense de titre. Ça fait un 23 pour Blaze qui n'est pas populaire évidemment par chez nous. Elle démarre en haut full. Je voulais juste tester un peu Mercedes Blaze. En tout cas, voilà, le 69 d'Ika Oshida qui a porté le match et qui nous fait une super belle note sans surprise. Je voulais juste donner une défense de titre tranquille à Sum of Glory, voilà. J'attends plus pour la nuit 2 évidemment. Derrière, un Fatal Four qui nous fait un 58. Blake Lucian, Atticus Ugar, Alexander Hammerstone et Coriolis vont s'affronter. Dans un match qui fait 58. Un match décent, sans grand hit. Atticus Ugar va prendre la victoire en 12-31 quand il va pin Coriolis. Coriolis qui était off this game et qui a fait la moins bonne note. 63 de Blake Lucian, 45 d'Atticus Ugar, 55 d'Alexander Hammerstone qui fait un très très bon début et qui démarre en 2 good et 31 de Coriolis, évidemment. On fait un super bon combat, ça va, tout le monde est plutôt bien. Mon Coriolis qui fait qu'un 31, 45 d'Atticus Ugar, je pense qu'il faut lui donner encore des victoires. Il n'est pas assez populaire. Et je pense qu'il a été assez pénalisé dans quelques trucs. Pénalisé pour le chemistry. Parce qu'il n'a pas de manager, évidemment. Il va falloir lui remonter un peu tout ça. Il va falloir lui remonter. Oh là 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 là, je vous cache un peu tout. 82, on fait un 82. C'est incroyable. On fait la meilleure note. On fait le match de l'année. Du côté de la World Pro Championship Wrestling, on fait un 82. C'est incroyable. C'est incroyable. Waouh. Dans un superbe match de catch et une décente réaction de la foule. Un match qui va durer 14 minutes 17. Entre Chris Bay et Air Fox pour le titre Triple Crown. Chris Bay va faire un 70. 78 d'Air Fox. Air Fox va faire un bump durant le match aussi. Mais Air Fox va perdre. Chris Bay va gagner avec son Triple C par tombée. Et va faire sa 14e défense de titre. Chris Bay qui bat Air Fox en 1 contre 1. Invincible Chris Bay, mais on fait un 82. Oh, mais c'est incroyable. On a eu des bonus de partout. Le selling de Chris Bay qui a donné du bonus. Le bump qui a donné du bonus. On a même presque... On a juste Chris Bay qui est pénalisé sur sa stamina, quoi. On a fait un car crash, évidemment. Mais c'est incroyable. On a fait un 82. 78 d'Air Fox, c'est incroyable. Il est incroyable. J'ai rien à dire sur ce combat. C'est le main event qui clore le Summer Glory Night 1 de la meilleure des façons. De la meilleure des façons. Chris Bay qui est une figure, vraiment, qui est la tête d'affiche de la de la promotion. Air Fox aussi. Mais il décrochera pas l'or ce soir. Il ne va pas décrocher l'or ce soir, malheureusement. Segment suivant, on ne change pas. Ça fait un 49, on finit avec un 49. On cache encore des choses. Puisque Chris Bay va célébrer. Il va célébrer. Et il va faire un open challenge puisqu'il va parler. J'ai battu Air Fox. J'ai battu Desmond Xavier. J'ai battu Petey Williams. J'ai battu tout le monde ici. Les grosses têtes d'affiche de cette compagnie, je les ai battues. Personne ne peut me battre. Et je fais un open challenge pour la nuit 2 de Summer of Glory. Et c'est Amazing Rain qui va venir et accepter le challenge de Chris Bay. Qui démarre en very good. Le face-off entre les deux qui fait qu'un 49. Amazing Rain et Chris Bay vont se face-off. Et les deux hommes vont se retrouver lors de la nuit 2 de Summer of Glory. On finit le show. Sur un 65.
On fait un 65, on fait la meilleure note. C'est le meilleur show. C'est le meilleur show qu'on ait fait. Surtout, on fait le meilleur match de la promotion. C'est fantastique. On a fait que du lourd. On a fait que du lourd dans ce show. C'est incroyable. On a magnifiquement bien fini cette nuit une de Summer of Glory. On a fait des débuts à tout va. On a certainement perdu énormément d'argent. Mais c'est pas grave. Parce qu'on fait, on fait ça pour vous. On fait ça pour la compagnie. Oh là 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 là. On a beaucoup de diplômes de foi. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Évidemment, on va féliciter Air Fox hein, pour sa performance. On va évidemment à Atticus Koga lui faire plein de bisous. Et on va féliciter. Qu'est-ce qu'on pourrait féliciter? On va féliciter Masada pour sa victoire. Voilà, please, please, and please. Tout le monde est très heureux. Après cette nuit de Summer of Glory, on a fait un jackpot. On a vraiment, on a fait du lourd. On a fait du lourd, sérieusement, c'était... Waouh! Sans déconner, c'est cool! 82, on a fait le meilleur match de l'histoire. Hein. 82, hein. On a fait un 82. Je pouvais pas demander plus, hein. Je pouvais pas demander plus, on ne fait pas un sold-out malheureusement. On aurait peut-être dû faire Lucha de Grand Arena. On aurait certainement dû aller là-bas, mais c'est pas grave. On est juste derrière où on fait un magnifique show. On est devant la CMLL. Après, il n'y a plus grand show, on est devant Marvelous. Il n'y a pas eu énormément de shows qui nous ont concurrencés, mais on reste derrière Raw, hein, qui ont fait 9000 fans. Que 9000 fans. Oh, je suis très déçu. Un peu déçu. Alors, People's Park qui a une offre de la DPW, Samoa Joe qui a une offre de contrat de la Lucha Underground. Est-ce qu'on peut le signer? On peut signer Samoa Joe, mais c'est beaucoup trop cher. Tu comprendras. Ace Perry qui est en fin de contrat, Jonathan Coachman, Cedric Alexander. Oh, Cedric Alexander a tenté de l'avoir. Scott Armstrong qui dit que Myon Reed just doesn't. Qui est pas très bon. C'est son opinion, le gamin, probablement. Il faudrait cut le gamin. Il faudrait cut le gamin, carrément. On a fait 34 000 viewers. Alex Shelley et Jebrisco qui se blessent. Chris Hero qu'on a signé en One Night Deal, évidemment. Par contre, Cedric Alexander, on va aller voir son offre. On va aller voir parce que c'est quand même un catcheur, vous savez que j'adore. Cedric Alexander, c'est un catcheur que j'aime énormément. Il lui offre un contrat de 9900 par mois. En exclusive Wellington. Pour 4 ans. Si on fait un exclusive Wellington par mois. Ah, il accepterait, hein. Par chaud. Alors. On va faire un contrat de 4 ans. In-ring. Event et TV show. Worker exclusivement. Lui ferait perdre des trucs. Ok. Donc un Whiten. 800 par faux. Si on lui donne 800 par faux, c'est énorme. Hein. Il a une meilleure offre. Il a une meilleure offre ailleurs. Si on lui paye 850 par show et qu'on lui dit que c'est un futur main eventer. Ah, il est meilleur, frère. 900. 900 par show sur 3 années. Non. Sur 4 années. Pas vouloir. 1000! Je mets 1000$ par show! Je veux pas. On verra. On verra. On verra s'il accepte. L'infirmerie se remplit, hein. L'infirmerie se remplit. On a toujours Zakarian qui est blessé 32 jours, Tintanga 47 jours. Donc Silken qui s'est brisé le muscle pectoral. Donc qui est blessé 25 jours. Jericho c'est quand même 15 jours. Et Shelly il revient demain. C'est dur quand même, hein. C'est dur. Bon, l'infirmerie, c'est l'infirmerie de Le Lion, quoi. C'est incroyable. Alors. On va aller se baser où? Toujours en Rising, 286 personnes. On va rester
à la même arène et je crois que j'ai des backstage incidents. C'est rien. C'est juste Air Fox qui donne des types de psychologie à Austin Theory. C'est très bien. Voilà, ça augmente le... Tout ça augmente... voilà, c'est bien pour Austin Theory qui a combien en psychologie maintenant? Toujours annoyed, hein. 53 psychologie. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça augmente bien Austin Theory. C'est des sacrés stats, hein, quand même, Austin Theory. Allez, on va booker notre 1h30 de Rage, le dernier event qu'on va faire dans cet épisode. Dans cet épisode-là. Même si, ouais, juste 3 events, comme ça on avancera bien, ça ferait une dos qui sera pas non plus extrêmement longue pour vous, donc pour moi ça m'arrange aussi, comme ça je peux directement vous faire la suivante, et on voit un peu, tout ça se pose. Le deuxième event sur 4, pour la version test de cette, de ce passage en small, je reviens tout de suite, enfin je reviens pour le débriefing du show, à tout de suite. C'est parti devant 301 personnes pour WPCW Rage numéro 14. C'est parti. Chris Bay va ouvrir le show. Et il va tout simplement parler de son titre, dont étant le Triple Crown Champion. Il va aussi évoquer le fait que Amazing Raid va l'affronter lors de Summer Glory Night 2, ce qui est une honte et ce qui est totalement honteux de sa part. Mais il fait, soit. Vince veut que je l'affronte, soit. Je vais le détruire. Et j'ai envie de passer un message à Amazing Raid. Pour Summer of Glory, je vais pas t'affronter dans un match normal parce que je vais te détruire jusqu'au bout. Ça sera une stipulation que j'aurai choisie et tu le découvriras lors du show. Mais Mike Bennett arrive. Et il fait, Mike Bennett arrive, face off. Et il lui dit, ouais, en attendant que Amazing Rail, que tu l'affrontes à Summer of Glory, je veux un rematch. Toi contre moi, tout de suite. Chris Bay fait, si tu veux un rematch, je te l'offre, mais pas pour, pour ma ceinture. Si tu me bats, tu pourras peut-être avoir un autre shot. Mais si tu me bats pas, tu resteras au placard avec tous les autres que j'ai déjà battus. Mike Bennett, il accepte. Et le match a lieu tout de suite. Pas de changement pour l'instant. Ça fait un 62. Chris Bay contre Mike Bennett dans un grand match de catch. Et une désembrassement de la foule. Chris Bay va battre Mike Bennett en 13 minutes 35 par tombée avec le Triple C. Pourquoi faire ça? Mais les deux, ils ont énorme. Ils ont super bon chemistry entre les deux. Ça fonctionne très très bien. Et 62 de Chris Bay, 54 de Mike Bennett, c'est plutôt bien, c'est une très très bonne note, hein. On fait un super beau combat, hein, sans surprise, en car crash aussi, parce que j'adore faire des car crash avec Chris Bay, ça fonctionne superbement bien, rien à dire dessus. On continue. Derrière, un petit triple shot match qui fait un 58. Lee Moriarty face à Kissy Navarro, face à Saiva Al-Saba. Kissy Navarro qui fait ses débuts, malheureusement sa gimmick est très très mauvaise, il nous fait quand même un 38. 61 Lee Moriarty, 51 de Saiva, dans un match décent, mais avec une hit pas du tout existante, Lee Moriarty va prendre la victoire en 12-3, en faisant abandonner Kissy Navarro avec le Joint Custody. Lee Moriarty porte le match de tête et des épaules, Kissy Navarro et Wing the League, évidemment le 61 de Lee Moriarty qui n'arrête pas de faire des bonnes notes, hein. Ça fait deux fois en régular qu'il nous fait des super belles notes. Il a bien évolué en tout cas depuis le début, Lee Moriarty, on était déçus qu'il fasse des 40 et là il nous sort des 61. Lee Moriarty, le projet hein, qui pourrait potentiellement avoir un shot pour le titre, on ne sait pas. Ça fait un 58. Derrière, Desmond Xavier va arriver et il va parler des Perfect Boys. Il va parler d'eux, disant qu'ils ont fait un super beau combat lors de Summer of Glory. Ils méritent un shot pour les titres par équipe, les Perfect Boys qui arrivent. Axel Perfect et Zachary Cooper qui arrivent à leur tour. Et qui ont un micro qui attendent. Ils disent, vas-y, on t'écoute. Desmond Xavier fait, vous aurez votre shot, mais il faut attendre le retour de Zachary Owens, de mon partenaire par équipe pour vous affronter. Je vous donnerai votre shot par équipe, vous le méritez amplement. Il mérite. Là, il y a des t-shirts Perfect Boys, il mérite qu'ils sortent. Xavier et Axel Perfect et Zachary Cooper qui font, on veut ton shot, on veut ton titre. Mais pourquoi pas, puisque t'es là, pourquoi pas affronter mon protégé, Zachary Cooper. Desmond Xavier qui est toujours prêt à un challenge, et Zachary Cooper qui est extrêmement chaud, qui enlève sa veste et qui est prêt à se battre. Donc on a un match tout de suite maintenant, qui fait un 58, entre Desmond Xavier et Zachary Cooper. Bon, Zachary Cooper est off this game, malheureusement. Dans un bon match de catch et une décente réaction de la foule, Desmond Xavier va battre Zachary Cooper en 12-31, avec un quick roll-up. Attention, hein. Attention, parce que, dans ce combat-là, on a... J'avais mis une intervention.
J'avais mis une intervention de Axel Perfect, mais ça n'a pas suffi pour faire perdre Desmond Xavier, qui prend la victoire, surtout qui fait un énorme 70, hein, qui porte le match, qui carry totalement Zachary Cooper, qui fait un simple 40. Ça fait un super mot, même s'il loves the game, ça vous fait un très beau combat. Desmond Xavier qui remporte la victoire, Axel Perfect qui va être rentré dans le ring, qui va faire fuir un peu, qui va être très déçu pour son partenariat par équipe. En tout cas, Desmond Xavier qui prend le petit 1-0 entre les deux équipes. Derrière, ça fait un 50. Jessica 3, Willy, Nightwingle et Avelis qui vont s'affronter. Malheureusement, Willow qui va démarrer en off-full sa gimmick, très déçu. Dans un décent match de catch, mais avec une hit pas présente, Ivelisse va prendre la victoire en 12-36 quand elle va pin Willow avec le Vertigo Spin Kick. Jessica fait un 45, 39 de Willow et 52 d'Ivelisse. Willow est quitté off the game au passage, enfin qui était un peu off the game. 52 d'Ivelisse qui fait une très bonne perf. Hein. C'est bien, pour l'instant on fait que des bonnes notes, c'est très bien. Et oh là là là, le main event qui nous fait un 61. Austin Theory contre Amazing Raid. Dans un énorme match. Dans un très bon match de catch. Et une descente d'action de la foule, Austin Theory va prendre la victoire en 14 minutes 52 par tomber avec le Unproven Cutter. Mais durant le combat, Chris Bay va venir distraire Amazing Raid. Amazing Raid qui va être distrait par Chris Bay et qui va faire même un stun bump durant le combat. Austin Theory qui nous fait un 51, qui prend une grosse victoire dans ce combat. Mais la suite est plus intéressante. Que ce même si ce main event est très bon. Amazing Raid qui démarre très mal, hein, son arrivée dans la WarPro Championship Wrestling. Segment suivant. Ça fait un 50. Puisque Chris Bay va attaquer Amazing Raid. Va lui faire un chair shot. Un chair shot sur Amazing Raid. Chris Bay qui va détruire Amazing Raid. Mais surtout, Chris Bay qui va porter un concerto à Amazing Raid. Devant le public en feu. Il y a des huées sur Chris Bay. Il y a évidemment des huées. Et il s'en va, la ceinture sur l'épaule. Il se tire. Puisque Chris Bay, oui messieurs dames, va turn ce soir sur Amazing Raid. Chris Bay turn sur tout le monde. Il turn sur Amazing Raid. Il tourne le dos au public. C'est un changement pour Chris Bay. Il turn heel. Il est. Il obtient un rating great, évidemment, dans sa gimmick. Overtime, blablabla, new gimmick. Turn complete. Le turn est un succès complet. Chris Bay est maintenant le top heel de la fédération. On finit sur un 57. On prend de la popularité dans 11 régions. On a fait un super bon show. Chris Bay qui tourne heel sur ce show-là. Et qui va venir en tant que top heel de la promotion face à Amazing Raid à Summer of Glory Night 2. Qu'est-ce qu'a fait Chris Bay ? Incroyable. Incroyable ce qui vient de se passer. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce qu'on vient d'avoir. Notre show, il est malheureusement juste que devant NWA. On est derrière Ring of Honor, on est derrière Lucha Underground, derrière Noah. C'est dommage. Même si on fait un show excellent et qu'on a un super bon retour. Voilà, on a un show excellent, mais malheureusement, on est encore derrière. Ils font 350 fans, Noah. On en fait 301. Et Lucha Underground, ils en font 314. On n'est pas non plus extrêmement derrière. Hein. On pourrait passer devant très rapidement. Hein. En tout cas. Dans deux épisodes. On a fait 7000 viewers quand on fait encore du 0,0.1. Et Alex Shelley qui fait son retour. Voilà, Masada qui n'a pas eu de défense de titre, il n'est pas parti du côté de la Noah pour faire une défense de titre. Non, le titre n'a pas été défendu. Il aurait pu être défendu, mais le titre n'a pas été défendu. NWA, est-ce qu'ils ont fait une défense de titre?
Ils n'ont pas fait de défense de titre non plus pour. Il y a juste le cyberfight. Ah, ils ont juste fait venir leur titre par équipe qui était défendu. Mais notre titre, il n'a pas été défendu. Le titre qu'on a donné aux mains de Masada n'a pas été défendu. Pas encore. J'espère qu'il sera défendu. Ça serait bien. Ça serait bien. Dans 6 jours, on a Rage et dans 10 jours, on a Summer Glory Night 2. On est presque à 2 heures de live. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un peu. En off. Je vais avancer un peu. On aura un dernier Rage et ensuite on a le Summer Glory. Je vais garder ça pour le prochain épisode. Parce que là, on est presque à 2 heures de rec et ça va me faire encore une vidéo qui va dépasser les 1 heure d'enregistrement. On va faire ça. On va garder ça pour la prochaine fois. Pour la semaine prochaine. Samedi prochain, on se retrouvera pour faire le dernier event. Surtout, ben, faire en sorte. Mais qu'est-ce qui va se passer avec Chris B? Qu'est-ce qui va se passer avec Chris B? On passe sur la barre des 900 000 aussi au passage. Aïe, aïe, attention, attention. On perd beaucoup d'argent en tout cas. On perd beaucoup d'argent. Niveau finance, on est comment? Oh putain. Putain. Bon, ticket de sales, on va vendre plus que le mois dernier, c'est sûr. Merchandising, ça va, on dépense pas non plus des masses. Les sponsors, c'est un peu short. Je pense qu'on va pas reprendre de deal TV pour l'instant. Hein. On va rester sur des events. Parce que en termes de show cost, on dépense énormément. En termes de worker cost, on dépense énormément. Et on a encore deux shows. Ça va être compliqué, je pense, ça va être compliqué. J'espère qu'on va rentabiliser un peu la dépense, hein, parce que là, on perd énormément d'argent. Oh là 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 là. On a fait un test, hein. On a dit qu'on allait faire un test autour des weekly. Si ça fonctionne pas trop au mois d'août et au mois de septembre, si ça fonctionne pas vraiment bien comme on veut, on va arrêter les weekly, hein. C'est ce qu'on s'est dit. C'est ce qu'on s'était dit. Pour l'instant, financièrement, on est très très mal. Donc on va s'arrêter là. On se retrouvera la prochaine fois pour d'autres épisodes, pour un autre nouvel épisode avec trois events à nouveau. Je préfère m'arrêter là pour garder des surprises pour le Summer of Glory Night 2 parce que il va s'annoncer extrêmement huge, évidemment. Parce que Chris Bay, il est la turn heel. Hein. On va juste, non, on va même pas faire le creative meeting. On fera ça la prochaine fois. On se retrouve très très vite. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas aussi hein, en description. Il y a le lien Spotify et Deezer si vous écoutez le Unscripted Podcast qui est là. Tous les mois. Voilà, juste comme ça, petite information. Voilà. Il arrivera peut-être sur SoundCloud, hein, peut-être un jour sur SoundCloud, mais en tout cas, peut-être Apple Music. Je vais essayer de le mettre sur Apple Music, au passage. Bon, je vais essayer de tenter les trucs. On fait plein de bisous, catch amour, et surtout, à très très vite pour, enfin, à la semaine prochaine, même heure, pour la suite. Notre aventure sur TW avec la War Pro Championship Wrestling. Des bisous, catch amour, surtout, peace. Out.